Bonjour à tous et bienvenue pour la suite du récit de partie sur Crusader Kings 2. Et vous êtes toujours avec Socros. Donc je lance la partie tout de suite. Et nous allons espérer récupérer de nouveaux titres dans cette partie, dans ce bout de partie. Car à la fin de la partie précédente, avant que je quitte, je me suis fiancé avec la fille deuxième héritière du duché de Champagne et de Berry. Donc possibilité d'héritage pour mon fils très intéressante. Donc pour le moment, tant qu'elle est pas majeure, qu'elle a passé 16 ans, je peux rien tenter, donc on va attendre. Hop, tac tac, on va passer tout ça. On va en profiter pour toujours. J'ai Amiens et Vermandois, toujours. Donc là, Alençon qui a été récupéré, voilà, roi de France qui s'étend de plus en plus en Normandie, dans les terres normandes et anglaises surtout. J'espérais bien qu'il récupère aussi le Vexin. Voilà, petite guerre, ça débute, Baden, Brabant, qui se sont révoltés contre le Saint-Empire. Faut se passer pour gagner, mais... de comte Champagne, de moment de... Alors, il y a un nouveau duc. Non, voilà. Le titre. Dans la dernière partie, la croisade a loupé. Je sais pas si vous avez fait... attention, si vous avez pas vu. Donc là, je vais économiser mes ressources pour le moment. Le 120, je vais attendre, on sait jamais, ça va pouvoir me servir. J'arrive au banquet du roi de France. Alors ça, c'est un événement qui se déclenche presque tous les ans, tous les deux ans, quand on est amis avec le roi. Il nous invite à des banquets. Voilà. Je suis devenu ami, et là, par exemple, avec le comte, la mère de Vexin, je crois, de Valois-Vexin, voilà. De Dreux, voilà. Génial. Mon héritier, à la génial, la majorité est devenu un employé économe. C'est mon frère. Je vais lui trouver une épouse. Donc j'ai baissé un peu la vitesse. Et voilà, je gagne 5 de prestige avec le banquet, comme vous pouvez voir. Bon, c'est... parfois, il y a d'autres événements qui interviennent. Donc là, je vais arranger un mariage maintenant pour mon... mon frère, alors où? Je dois trouver quelque chose d'aussi intéressant que le frère aîné. Alors, genre une garde, courtisan de Bourgogne. C'est intéressant, Bourgogne. Est-ce qu'il y a Renaud Adalbert? Donc, c'est là. Au roi directement. Ah là là, logis, voilà, j'ai une nouvelle. Une armée qui va pouvoir s'agrandir. Il y a un autre duc là. Et en Flandre par exemple. Nous connaissons, faire association. Racheter bourgmestre. Retournons trouver lui une épouse. Lui revendique pas mal de comtés, quoi. Tous les comtés que j'avais il y a deux parties déjà, que j'ai perdu la moitié. Chut, va être vers les 16 ans, 18-16 ans. De la marche, bonne stat. Là, je vais avoir une alliance avec un baron. Des super alliances. Alors, ah, Châtillon. Ouais, mais, pas grand chose en stats. Pas très intéressant. Toi aussi. Baronne, Nessen. Héritier, petite baronnie, voilà. Mais bon, ça m'intéresse pas d'hériter d'une baronnie.
pas très utile hein, par rapport à celle que j'ai avec le roi de France par exemple. Celle-ci a des stats potables pour des enfants. Voilà. De toute façon, mon but c'est que l'héritier... alors... Petite guerre intéressante qui vient d'être déclarée. Guerre française pour le duché d'Aquitaine, de Gascogne, Poitou. Et le dernier titre, duché de Bourbon. Donc le roi de France a décidé de reconquérir tous les titres de duché du roi d'Aquitaine. Donc là, ça va être une guerre intéressante, sachant que les alliés entre les deux sont identiques. Je crois qu'il est allié aussi voilà, avec la Castille. Non, voilà. Mais à une époque, il est allié avec Barcelone. Alors que là, le roi de France a perdu ses alliés qu'il avait avant. Mais bon, j'ai regardé, j'ai en profité. Ceux qui ont des prêts dans ma cour, nos prétendants, nos titres, héritages. Voilà, donc, duché d'Apulie, comté de Vexin. On a beaucoup à revendiquer, à avoir une revendication sur Vexin, sur Dreux. Comté de Périgord. Mais bon, pas intéressant. Bon, alors on revance un peu la vitesse de toute façon. Donc là, il y a quand même une armée de 8000, hein, de 9000 hommes hein, pour le roi de France. Je connais pas la puissance militaire du roi, duc du roi d'Aquitaine. Est-ce que je peux voir du royaume? En total, 4600 soldats. Voilà. Donc c'est un moyen de voir grâce à cette petite fenêtre. Donc s'il faut aller dans Arbre du royaume, et là vous pouvez voir la contribution totale du suzerain. C'est le roi, totalité de l'armée du roi. Et après, normalement, vous avez tous les vassaux. Normalement, c'est la puissance du royaume total de l'armée. Si on fait pour le roi de France, 10 900, voilà, c'est à peu près les 9000. Alors, un neveu qui atteint la majorité, donc c'est pareil. Un petit mariage. Mais je veux pas d'orthodoxe, pas intéressant. Alors c'est pareil, hein, c'est complexe. C'est long de trouver des bons courtisans. Enfin, on a de la chance. Ce que j'aime, c'est surtout avoir des épouses avec des stats intéressantes. Hein. Et puis surtout aussi, il faut pas qu'elle soit... Allez, voilà. Ivry, c'est celle-ci normalement. C'est la dynastie de cette de ce comté. Voilà. Et donc moi, normalement, je ne devrais pas tarder. Là, elle a 15 ans. Donc elle va pas tarder à se marier. En plus, le roi de France a rassemblé toute son armée. Alors que le roi d'Aquitaine est séparé. Ah, parce que il est en guerre aussi contre Toulouse. Il y a une de mes parentes qui attend la majorité, mais celle-ci je vais attendre qu'elle me le demande. Donc Toulouse est en guerre contre le roi d'Aquitaine pour la province de Quercy. Le roi de France en profite puisque son armée du roi d'Aquitaine est ici. Alors, déclaré, voilà, c'est ce que je disais. Devenir maître espion, mais non, je pense que au niveau du maître espion à 16, j'aurais pas les 15, mais 8. Ah voilà, je peux. Oh bah, ça a été très vite. Mon héritier a déjà perdu sa femme. J'ai pas dû faire attention. Elle devait déjà avoir la pneumonie avant d'arriver. Petite erreur de ma part. Allez, on lui retrouve quelqu'un. De Bourgogne. Allez. Et voilà, mon héritier. C'est mon... Voilà, je peux. Et voilà. Tout le monde est concerné, ça fait de l'or. Tout le monde est concerné. Et ça fait des petites pièces. J'ai réalisé l'ambition et maintenant
Ah, je peux demander maintenant opinion supérieure à le rang du titre est duc désiré par contre pour donner. Le rang du roi Philippe est inférieur à roi. Ouais. Il peut pas tuer Nicolas de Blois. Voilà, normalement. Nicolas de Blois, c'est tout simplement mon demi-frère. Mon demi-frère. Et là, surtout la sœur de mon époux, la frère de mon épouse, l'héritier. Donc le but ce serait quand même d'arriver à le tuer avant qu'il ait fait un enfant. C'est embêtant. Donc là il se trouve au duché de Berry. Donc tout de suite on va regarder. J'ai 30. Qui c'est qui veut bien? Pour le moment il n'y a personne qui ait envie. Donc là ça va être améliorer les relations diplomatiques. Tout d'abord, donc améliorer les relations féodales en Touraine. Parce que normalement, si je ne me suis pas trompé, c'est tous des. La vitesse, on sait bon. C'est tous des courants de Berry, voilà. Ensuite, quel est celui qui a la plus grande ampleur? C'est cette baronne. De baronne Agnès au côté du comte Geoffrey. Je vais envoyer quand même un petit cadeau. Voilà. Et je l'invite au complot. Voilà, j'ai fait des petites économies. Bon, ce sera pas suffisant hein, pour... m'aider. Voilà. Agnès de Cholet. J'ai l'impression... Ah si, c'est celle-là. Voilà, donc là j'en suis au niveau de l'intrigue 47. Il me faut minimum 50, mais c'est pas assez. Hein. Ensuite, qui c'est? Cécile. Arranger un mariage avec quelqu'un dans ma cour. Non, monsieur, je peux lui envoyer un petit cadeau aussi. Je vais l'inviter au complot, tout simplement. Voilà. Faire des petites réserves, c'est utile, c'est très utile. Il veut devenir chapelain, non. Voilà, je suis à 62%. 40% si tu trouves la mort, je préférerais encore ajouter quelqu'un. Comte de Berry, voilà. Pareil, je vais lui envoyer un petit cadeau. Invité au complot. Donc pour le moment, le roi de France est en train de dominer. Donc là, je devrais être à 77. Donc j'ai... Et là, il faudrait que j'arrive à 100%. Il me manque 30. On va attendre un petit peu. Mais sinon, regardons le roi de France qui est en train de gagner pour le moment. Donc il a 13% de victoire en bataille et 2% d'occupation. Donc il devrait gagner cette guerre. Parce que aucun allié n'a rejoint l'Aquitaine. Donc revenons à l'intrigue. Ça serait tellement plus simple avec 100. Mais là, allez. Alors, Chevalier de Saint-Jean. Une création. Elle est écrite. Voilà, ils vont arriver. Bientôt, ils vont avoir accès à certaines provinces. J'ai un cadeau. Invité au complot, voilà. Ça va me coûter un peu cher, mais... ce que j'ai et à y gagner après si on regarde, il n'y a toujours pas d'enfant et surtout c'est l'héritier donc c'est quand même mon demi-frère. Alors c'est quel pourquoi mon... oui mon demi-frère, oui parce que c'est le mari de ma, c'est le frère de mon épouse, voilà c'est simplement pour ça, mais c'est bizarre quand même. Donc je suis toujours hein, comtesse Élodie de Vermandois. Par contre, il faut que mon comte, il arrive à lui faire quand même un fils ou une fille, ce serait pas mal. Pour que je puisse hériter de tout ça, donc là. Le roi qui a pris Auvergne, qui a pris le Périgord. Et maintenant, tu vas encore battre un peu l'armée. Intrigue, 90, oh, je peux encore rajouter un, allez. On lui envoie un petit cadeau. Invité au complot. Oh, elle veut pas, elle.
Olu, 62. C'était si beau, ça marchait jusqu'à maintenant. Je vais pas lui donner d'autres. Aïe. Dépenser 20 pour rien. Elle veut pas. L'ordinateur a dit non. On va pas te faire trop de cadeaux. Et lui. Envoyer un cadeau. Il veut pas non plus. Ah bah je suis bête. J'ai peut-être oublié de regarder. Opinion, ouais, bon. On va attendre. Ils vont peut-être venir me rejoindre au bout d'un petit moment. Ouais, je vais m'arranger. Envoyer un cadeau. Je vais pas le faire tout de suite. J'ai plutôt essayé. Monsieur là, mon. Il mène des troupes, c'est pour ça qu'il bon, il est pas proche de sa femme. On va accélérer un petit peu. Évrigan de Nemours. Alors, comte de Nemours qui revendique, il va vouloir revendiquer. Amiens ? Ouais. Il faut qu'il m'attaque. On verra. Roi de France là qui commence à. Qui va capturer. Là-bas, une autre baronnie. Bon, l'Aquitaine, hein, ça devrait se finir normalement. Bon, ça risque d'être long parce qu'il faut quand même, je pense, qu'ils prennent beaucoup de territoire, le roi de France. Donc ça va être long, comme ça va prendre encore quelques années. Mais le temps que ça finit pas, je serai hors de mon comté. Et ça va pas aider pour faire des enfants. Allez. Ah, super. Chaste. J'aime pas. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Mais toujours pas d'enfants, c'est pas mal. La Blois, ok, voilà. Ouais, ouais, sous l'emprise. Parler à tout le monde de mon complot visant à tuer. Je n'aurais jamais dû l'impliquer. Ouais. Donc mon complot est révélé. Super, donc je vais peut-être. Ah, ah, ma femme est enceinte. Allez, 6%. Alors, nouveau. Oula, alors. Ah bah, on va mettre pause. Faut que vous voyez ce qui s'est passé. On va baisser la vitesse au maximum. Tac. Et voilà, le roi de France a gagné. Et il a donc récupéré tous les titres de duc. Donc voilà, il devient très très puissant, le roi. Duché de Valois. Alors. C'est pas tout récupéré. Pourquoi les garder ? Il a donné les titres du duc de Limoges, de Bourbon. Voilà. Normalement, il y a le duc ici. De Poitou, le duc d'Aquitaine, et il y a un autre titre de duc. Alors, ça, c'est Navarre, il reste plus que ça. Non, voilà, c'est ce qui reste du roi d'Aquitaine. Il lui reste le comte de Bigorre, et il a un nouveau duc qui est un capet pour l'Aquitaine. Donc, là, le royaume est beaucoup, beaucoup plus puissant. Il a presque bien agrandi. Toulouse devrait pas tarder à subir la colère des Capets. Donc là, par contre, le roi est en guerre contre. Oh, ça, c'est une simple guerre contre Tolède. Alors, le roi a-t-il une nouvelle alliance? Voilà, il y a de nouveaux alliés. La Castille. Frère du beau-père de Philippe, beau-père de Hugues. Voilà. Et moi, je suis toujours à 96. Ah. Envoyer un cadeau. Voilà. Ah, il est au complot. Comme ça, je serais au-dessus de 100. Ça m'aurait coûté cher. J'aurais perdu utiliser plus de 100 pièces. 200 pièces. Mais là, vous pouvez voir, je suis à 90% de chance de réussir. Par contre, je vais attendre de savoir si c'est un fils. Une fille, bon c'est pas mal, c'est pas grave, ça permettrait d'hériter. Et après, il existe diverses manières d'arriver à mes fins. Hein.
Je pense que vous avez pu voir ce que j'ai pu... Si vous avez vu les... Comment j'ai fait pour récupérer Vexin et Dreux et Amiens. Et en plus, ma famille est assez grande maintenant. Bon, sauf qu'ils font pas d'enfants. Ah. Il a pas d'épouse. Allez, tu vas t'en trouver une. Une petite... Voilà. Qui a de bonnes stats. Ah. Oula. Ah. Ah non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Oh, j'aurais pas dû. Oh non. Allez, petite explication. Je voulais attendre un peu hein, pour avoir un fils. Ça aurait été plus intéressant. Je me suis dit, c'est bon, j'ai les 100%. Sauf qu'entre-temps, son père est mort. Et il a quitté la cour de Berry pour devenir le duc de Champagne. Et en devenant duc de Champagne, tout mon intrigue est partie en l'air, puisque les courtisans étaient de cette cour et plus de celle-ci. Alors, on va voir. J'ai déjà elle qui a envie. Ça fera des sous à pas dépenser. Mais tout le reste, je vais encore devoir dépenser. Au revoir. Vous voyez un cadeau. Ça va me coûter cher, mais on va voir. Donc, tac, A3. Aïe, 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 aïe. Trop patient. J'ai voulu être un peu plus patient. Là, je suis qu'à 53, c'est pas du tout... Voilà, j'ai que cela. Oups. Ils veulent pas me rejoindre au complot, donc on va attendre. Bon, c'est embêtant. Que je sois plus patient. J'aurais dû faire ce que j'avais à faire. J'ai voulu attendre me disant que j'aurais peut-être un enfant, m'assurer que mon héritière et survive surtout. Bon, c'est pas gênant. Donc, le roi là, qui on bat gagné Tolède. Donc par contre pour Castille, donc le roi Tolède qui est alors Tolède. Normalement, qui se trouve là, voilà. Récupérer cette partie. Castille aussi qui commence à bien s'agrandir. Alors, le roi d'Angleterre qui est toujours en guerre. Là, contre. Toujours guerre de succession. Tac. Ah, il y a de nouveau. De Nemours, envoyer un cadeau. 60 pièces, allons-y. Il veut pas me rejoindre. Donc, c'est lui. Ben, lui, normalement, comme il a revendiqué l'apportant de opinion. Ma femme est enceinte. T'as, tu vas améliorer avec lui, t'auras peut-être plus de chance. Ah, c'est un peu la vitesse. Voilà, j'ai eu un neveu. La famille s'agrandit. Donc elle est un peu. Je devrais. Dès qu'elle va mourir, lui va hériter. J'ai de la chance pour le moment, pas d'enfant. Pas d'enfant. Allons-y, attendons, attendons. 53. Personne, plus personne va me rejoindre. Une autre fille. Aïe. Oula, oula, oula. La Carlotte coléreux. J'ai eu peur. Que ce soit une mort prématurée. Je sens qu'il y aura toujours un. Et lui, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'inviter au complot? Allez, allez. Allez. Donc, pour que maître. Ah, il est marié déjà, dommage. Ah, je vais du fait. Ah!
Usurpation du titre. Lui c'est qui lui? Il pique mon titre. Non, j'ai pas vu. J'ai cru voir que... Là c'est le titre d'Anjou qui a été volé. Bon c'est pas gênant tant que j'ai toujours possibilité d'hériter de Berry. Par contre, ce que je voulais voir, je baisse. J'étais en train de regarder quelque chose. Donc... Il est où? Un maître espion. Il a changé. Je suis à combien? 51 Nemo. C'est bien là qu'il accepte lui. Je suis tout de suite au-dessus de 100. C'était lui. Est-ce que c'est un RS un petit mariage? Allez. Une ancienne. Voilà. Côté de Blois. Ouais. Ton cul, hein, il veut toujours prêt si je t'envoie. Ah non, c'est bon, j'ai déjà amélioré les relations. Je suis à 63. Bon. On va attendre. Hein. Tac. Donc le roi est toujours en guerre. Bon, ça devrait pas tarder à se terminer là. Parce que je vois 27% de l'aide qui est en train de perdre 8000 soldats. De France, de Navarre, Castille, d'Aquitaine. Bon, Aquitaine, il reste pas grand chose, mais bon. Ça se rebelle dans le sud de la France. Donc, bon, là, j'ai avancé un tout petit peu. J'ai fait 10 ans bientôt, donc je pense que je vais pas tarder à m'arrêter. L'avantage, c'est que. Ah, j'ai parlé trop vite. Il vient d'avoir un fils. C'est pas gênant, une fois que j'aurai la majorité des les 100%, ils vont y rester. Donc après, je pourrais faire une série de complots. Hop, ça, vous voyez un cadeau. Voilà, toi tu me rejoins. Je vois 66. Lui il veut pas, pourtant j'ai une opinion bonne avec. J'ai une opinion sur moi 43. Ah, il a une meilleure, peut-être c'est ça, il a une meilleure opinion. Ça doit être ça, donc il a une meilleure opinion. Allez, voilà, et peut-être que là maintenant. Ah, non, bah il veut pas. Bon, naturel, nanana. C'est marrant. Parfait, opinion du baron Nicolas, du comte de Geoffrey. Bon, c'est pas le bon. C'est lui qui je veux que tu améliores. Il va n'est plus maréchal. On va le nommer à nouveau maréchal. Voilà. Oups. Former des troupes. Voilà, là, là. Ça se passe, ça se passe. 78. Ah, tiens. Lui n'a plus la possibilité d'ajouter. C'est dommage. Donc on va retourner. Donc c'est qui son autre vassal qui a de bonnes. Je n'y ai plus. Le comte de Nemours, c'est dommage. Le comte de Sens. Alors on va se mettre. Voilà, voilà, ça, ça. Je lui ai déjà envoyé un cadeau. Donc, tu as invité au complot. Il veut pas. 78. Bon, là, actuellement, je serais à 65%. 65% de chance. La coupe est pleine. Hein. Père la taille cynique. Ok. Tac,
Toc, elle veut pas. Bon, on va assez dépenser pour le moment. On va arrêter de dépenser des sous. Parce que là, j'en ai dépensé des sous pour une chose que j'avais réussi à faire. Voilà, donc là, le roi sévit. Ouais, non, pour le roi, il s'est rien passé. Pourtant, il gagnait. Ouais, je n'ai jamais manqué de soldats. Ok. Ah, le royaume de France, ça c'est plus joli comme ça. Hein. Petite vue, hein, l'Angleterre est totalement en guerre depuis une vingtaine d'années. Le reste, la Hongrie qui est de nouveau reformée. Est-ce que c'est toujours les Piastes? Arpad, par contre, Piastes, c'est. Je crois que c'est. Trimpovic. Alors ça, ça a changé. Non. C'est. Et la Pologne. C'est les Piastes, les Pologne, voilà. Bon, les grands royaumes. Ça se passe bien. Ah, putain, je peux pas hériter Raoul. Pourquoi j'hériterais pas Alice? Ah, j'ai une possibilité, je pense. Si lui venait à mourir. De hériter du titre de Poitou. Aussi, alors là, ce sera vérifié. Parce que je suis le frère. Il a pas. Bon, pour le moment, il n'a pas d'héritier. Mais si j'y viens à mourir, ça va être lui et ses enfants. Et s'il meurt avant, ses enfants. Je verrai plus tard. Donc là, une nouvelle guerre. Donc là, c'est une guerre pour cette région, le sud du Portugal. C'est une mort naturelle. Allez, je vais m'arrêter là parce que je crois que ça fait un petit moment déjà. Que la partie dure, alors on va simplement aller on essaye avec lui. Envoyer. Et il veut pas. Donc là, ils sont tous, et même tous, mais ils veulent pas rejoindre. Ah, 19. Allons-y. Et ma femme est enceinte. Parfait. 87. Je suis à 87%. C'est pas mal, c'est pas mal. Il me manque Samuel. Allez, on va essayer avec celle-ci. Je crois que je ne vais pas envoyer. Normalement, ils ont tous. C'est tous payé. Donc, à toi. Bah, si je te marie, ça ne sert à rien. Si tu vas venir dans ma cour. Donc, là, on va s'arrêter là. Et la prochaine mission. Prochaine partie, on va s'arranger pour que je récupère. Ah, j'ai des brutes, je veux pas gagner des sous comme ça. Ça va me faire gagner un peu de piété normalement. Voilà, j'ai eu mon fils, c'est ce que j'attendais. Tu en 1122, je vais mettre pause, le 11 février précisément. Vu donc, est-ce qu'il a hérité? Toujours pas, donc il a toujours pas hérité. Richard de Blois, Geoffrey de Blois, alors son fils, alors c'est qui ce Geoffrey? Alors je vais juste regarder quelque chose parce que je vais pas le tuer tout de suite, ça va être embêtant, mais normalement les enfants ça devrait pas être gênant. Je veux que cette duchesse vienne à mourir tout simplement. Ah, c'est marrant ça. Les enfants de la cadette héritent avant moi. C'est bizarre ça. Son fils hérite avant le mien. Normalement, ça devrait être. C'est bizarre ça. Alors que là, elle y est très bien. Dès qu'il aura récupéré le titre, ce sera plus simple. Donc, je vais m'arrêter là. Je remercie d'avoir regardé cette partie et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.